Salutations les fans de catch, ici Léon de la chaîne Ici C'est Passion. Laissez-moi vous souhaiter avant tout mes meilleurs voeux 2020 pour cette nouvelle année qui commence. Avant de démarrer ce top, j'ai quelques petites précisions à apporter. La première, c'est que ce top est basé uniquement sur deux shows, c'est-à-dire Raw et SmackDown et rien d'autre. La seconde, c'est que les événements apportés seront uniquement ceux qui se sont passés en 2019. Et enfin, c'est un top purement subjectif et personnel. Donc n'hésitez pas à me laisser votre top 3 des meilleurs catcheurs sur l'année 2019 dans les commentaires. Sur ce, c'est parti. Et on démarre le bal du top avec Shinsuke Nakamura. Redoutable catcheur sur un ring, ce jeune japonais a réussi l'exploit de devenir champion des États-Unis lors du Royal Rumble face à Rusev. Par la suite, il réussit à récupérer la ceinture intercontinentale au rein de Finn Balor et qu'il détient à ce jour. Alors, êtes-vous prêt pour un Kinshasa? On continue ce top avec R-Truth. Alors R-Truth, catcheur assez particulier puisqu'on le voit principalement œuvrer autour du ring. Pourquoi je l'ai mis ici? Ben tout simplement parce qu'il a remporté pas moins de 29 titres de champion 24-7. Qui, je dois le reconnaître, n'est pas forcément le meilleur titre, mais reste quand même un titre. A noter qu'en janvier, il réussit à mettre la main sur la ceinture des États-Unis face à Shinsuke Nakamura. Alors, saurez-vous voir la vérité? Et on continue avec le redoutable roi King Corbin. À WrestleMania 35, il parvient à battre et à renvoyer à la retraite Kurt Angle. Par la suite, il parviendra à atteindre le Graal, c'est-à-dire le King of the Ring 2019. Et on continue ce classement avec Asuka. Terrible catcheuse, elle n'hésite pas à utiliser son fameux Green Mist. Actuellement détentrice du titre par équipe avec Kairi Sane, elle n'a pas hésité à renvoyer sa manager générale et à river les épaules de Becky Lynch et Charlotte Flair à plusieurs reprises. Alors, êtes-vous prêt face à cette guerrière? Et on continue ce classement avec Charlotte Flair, surnommée The Queen. Battant Becky Lynch lors de Money in the Bank, elle parvient à s'emparer du titre féminin de SmackDown. Malgré la perte rapide de son titre, elle parvient à le ressaisir face à Bayley lors du show Hell in the Cell, engrangeant par la même occasion un 10e titre, devenant ainsi la catcheuse féminine la plus titrée. Et on continue avec la terrible catcheuse Bayley. Deux fois vainqueur du titre féminin de SmackDown, une fois championne par équipe en compagnie de Sasha Banks, elle parvient par la même occasion à accéder au titre de Grand Chelem de la WWE. Ses diverses apparitions furent frappées par son heel turn, abordant un nouveau look et devenant l'une des superstars les plus viles du moment. Et on continue avec un catcheur des plus joyeux, j'ai nommé Kofi Kingston. Malgré son humeur et sa joie de vivre, il reste un redoutable adversaire, faisant main basse sur le titre de SmackDown face à Daniel Bryan, puis en s'emparant du titre par équipe en compagnie de Big E. Malgré la perte de son titre en un temps record face à Lesnar, il parvient à faire passer Randy Orton à travers une table et franchit par la même occasion les portes du grand chelem de la WWE. Et on continue avec Brock Lesnar alias The Beast. Surprenant vainqueur de Money in the Bank, il parvient à défaire Seth Rollins lors du show Extreme Rules, devenant ainsi champion de Raw. Pris dans diverses rivalités, notamment avec son ennemi naturel Cain Velasquez, qui réussira à défaire en peu de temps. Par la suite, il jettera son dévolu sur le titre de SmackDown, qu'il remportera en un temps record contre Kofi. Et on continue avec Seth Rollins, un catcheur très talentueux. Vainqueur en éliminant The Beast à deux reprises, il parvient à mettre la main sur le titre de champion d'Euro par deux fois. Par la suite, déçu de la défaite de son équipe lors du dernier show Survivor Series, il réapparaît dans un heel turn des plus dévastateurs aux côtés des AOP. Alors, prenez garde à ne pas croiser son chemin. Et en deuxième position, on retrouve Becky Lynch. Redoutable adversaire, elle parvient à remporter le titre féminin d'Euro dans un triple threat match face à Lacey et Charlotte, la propulsant ainsi première championne féminine à détenir deux titres en même temps. Malgré la perte de l'une d'entre elles lors du show Money in the Bank, elle parvient à corriger The King Corbin en compagnie de The Rock. Et en numéro 1, on retrouve Bray Wyatt et son alter ego The Fiend. Vainqueur du titre face à Seth Rollins, il a envoyé bon nombre de catcheurs en enfer. Arbordant un look des plus effrayants, il parvient à semer le doute dans le crâne de quiconque et à apparaître là où on s'attend le moins. Alors, le laisseriez-vous entrer? Et voilà, c'est tout pour moi. Je le rappelle, c'est un top purement personnel et subjectif. Donc je vous invite à mettre vos top 3 dans les commentaires pour voir un petit comparatif. Allez, sur ce, à la prochaine les fans de catch.